Vous êtes dans votre suite de la Farniente princière que vous avez eue grâce au VIP de Shae. Et vous êtes réveillé. Ah, oh, quelle bonne nuit! Et vous êtes réveillé à cause de quelqu'un qui toque à la porte. Quelqu'un qui toque à la porte. Et vous entendez alors, derrière la porte, la voix de Altar. Rina? Shae? Gordrak? Oui. Vas-y. Je vais ouvrir la porte. Tu ouvres la porte et tu vois Altar, plutôt en bonne santé, en meilleure santé que quand vous l'avez laissé partir à l'entrepôt des nains pour se charger des marchandises. Mais tu vois autour de lui 4 nains en armure. Ah. Et armés. D'accord. Mes amis. Tu vois un nain qui s'avance. Bonjour. Bonjour. Il te regarde. Dans le catalogue. De même. Équipage de la vague de Lauterne. Oui. Oui. Vous êtes convié par le maître de guilde des minerais et des mineurs de Lustrie. Très heureux. On vous suit ? Allons-y. Let's go. Ok. On vous amène. Altar vient avec vous. Vous fermez la porte derrière. Comment vous. Il a l'air, Altar ? Confiant ? Ouais, il a l'air. En tout cas, il avait l'air d'être soigné, bien nourri. D'accord, il n'a pas été maltraité. D'accord. Donc vous les suivez ? Ouais. Ces quatre nains. Vous descendez dans l'auberge, vous traversez l'auberge. Il est assez tôt, il doit être 5h du matin, 4-5h du matin. Vous avez pu vous reposer, vous n'avez plus vos malus comme vous vous êtes reposé, vous n'avez plus vos malus parce que vous avez. Vous étiez en mer pendant 2 semaines sans. Déjà, vous êtes arrivé à bon port, je sais même pas comment. Enfin, c'est une réussite critique du coup, mais, mais voilà. Vous traversez les rues matinales, des gens commencent à ouvrir leur échoppe, l'eau vient à peine de pointer le bout de son nez. Et quelque chose que vous venez de vous rendre compte, c'est que vous n'avez pas vu ni Borok, ni Shae, ouais. ni Shae qui n'était pas dans la chambre. Et c'est vrai que vous êtes dans la rue. Mais il n'y a pas Borok et Shae. Parce qu'effectivement, ils ne sont pas là. Il y a le lézard de Shae qui est encore dans la chambre. Ah, on aurait dû le prendre avec nous. Okay. Ouais. Donc vous partez et au moment de partir, vous vous rendez compte que Shae et Borok ne sont plus dans leur lit. Il y a leurs affaires encore. Ils ont pris leurs armes et oui, ils ont pris leurs affaires. Il reste juste le lézard de Shae qui dort. Ok, eh bien, je prends le lézard délicatement avec moi et je le mets dans ma poche de grande robe de mage. Absolument. Il est assez tôt, il doit être 4-5 heures du matin, un truc comme ça. Ouais, il est tôt. L'aube commence à pointer voilà, un tout petit peu le bout de son nez. Quand vous allez dans les rues, donc vous suivez les nains armés en armure lourde, tu sens que c'est des armures de gros miel. Donc une des meilleures types de métal pour faire des armures. Donc quelqu'un qui doit être très riche pour les armées comme ça. Vous traversez et vous arrivez à un énorme entrepôt. Non, au bord du port, d'accord. Okay. Le chef des gardes apparemment s'approche. Il dit quelques mots en murmurant. On le laisse passer et vous arrivez dans un grand couloir de pierre. Il va tout droit avec de chaque côté des portes en fer. Ok, d'accord. Sur les côtés des torches. Pour éclairer. Vous continuez à lui suivre ? Attends, je prends le premier nain que. Là, ils sont toujours les quatre là ? Ouais. Où on va là exactement ? Comme je vous ai dit, vous avez été convoqué par le maître de guilde des mineurs et des minerais de Lustrie. Est-ce qu'on peut savoir comment il est au courant qu'on est là ? Concernant la marchandise. D'accord. Ok. Moi j'ai vu Shae faire et du coup je regarde le lézard s'il a un peu changé de couleur ou pas. S'il y a des bagues. Non, tu ne connais pas les couleurs du lézard. C'est vrai ? Je sais pas que s'il devient rouge, c'est que ça sent pas bon ? Non. Dommage. Mais est-ce qu'on voit s'il a changé de couleur ? C'est. Oui, mais tu ne sais pas l'interpréter. Il a changé de couleur. Il est quelle couleur ? Je vais pas vous le dire. Putain. Bah oui, parce qu'en tant que joueur, vous savez qu'il y a une couleur qui pue. Donc, donc vous voyez qu'effectivement il a changé de couleur, mais. Je vais pas il y a moins qu'il se passe quelque chose. D'accord. Vous continuez d'avancer. Altar est toujours là.
Bien sûr, il a l'air détendu. D'accord. 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 Vous continuez à les suivre ou pas? Ouais. Parce que continue. Oh, ouais, vas-y. Est-ce qu'on peut genre regarder un peu autour de nous et voir s'il y a quelque chose de louche ou si on voit genre des gens ou genre un indice par terre ou quelque chose qui pourrait nous donner un indice sur ce qui est. Mur de pierre. Rien nu, du tout. Rien de froid. Avec des torches. Pas d'odeur et des particulière portes en fer. Ou des traces de sang. Des portes en fer, c'est-à-dire d'accord, avec des clés genre. Ouais. Donc là, on est enfermé derrière nous. Oui, parce que en plus il y avait des gardes à l'entrée. Bon, dans tous les cas, on peut pas vraiment en faire demi-tour. Ouais. Donc autant avancer. Bah, on va essayer de faire quelque chose. On avance, mais on fait attention. Je sors discrètement ma. On se tient à main. Non, je sors discrètement, genre mon couteau, je le mets un peu dans une position un peu plus. C'est vrai que j'ai un couteau. Ah, bah non! J'ai toujours ce truc du fer, attends! Ah oui, oui. Bah. Attends, mais. Ah non, bah non, tu l'as. Enfin, tu l'as plus parce que ça dure une journée, donc ah oui. Tu l'as plus. Ah oui, parce que oui, c'était. À part si tu retouches du fer. Oui. Mais du coup, retouche pas du fer. D'accord. Oui, t'as la malédiction du fer. Attends, ouais. Parce que. Et elle, en quelle matière, ma dague là? Non mais elle est en bois. Non mais il y a une ampe en bois. Il y a du fer mais il y a une ampe en bois. Ok, donc je fais attention. Je touche pas le fer. Oh merde. Ok. Donc on continue. Non attends, moi juste quand je passe à côté des portes, je vais essayer de voir si je les pousse. Elles sont ouvertes ou elles sont fermées? Tu veux essayer? Oui. Attention. Okay. Au moment où tu t'approches des portes, il y a une main qui s'agrippe à ta main. L'un des gardes qui vous suit. C'est tout droit. Il se continue. Ok. Vous avancez et vous arrivez devant une porte en pierre cette fois, gravée. Gravée de runes. Très jolie d'ailleurs. Très jolie porte gravée. Quelqu'un qui a dû mettre les moyens pour avoir une belle porte. On peut lire ce qui est gravé? Est-ce que moi je peux savoir? Oui. Toi non du coup. Alors tu peux lui chuchoter si tu veux. Il y a écrit maître de guilde des minerais et des mineurs de Lustrie, Taramir. Taramir, c'est notre ça vous dit c'est notre chose. Hôte. Okay. Vous arrivez devant la porte. Maître Taramir, c'est Thorvald. Nous avons amené les invités que vous avez demandé. Entrez. Les portes s'ouvrent. Et tu vois une salle assez austère hein, par rapport à la richesse de la porte, à la richesse des armures, vous vous attendiez peut-être à quelque chose d'assez grandiloquent, mais une salle assez austère, avec un bureau. Voilà. Juste derrière le bureau, au-dessus, tu vois des statues de nains. Tu arrives à en reconnaître quelques-uns. Tu vois la statue du roi des nains, Thorgrim le rancunier. Tu vois la statue d'un des héros nains les plus connus, Joseph Bugman le ranger. Tu vois une statue qui vous rappelle quelqu'un. C'est le nain parieur avec qui vous avez parié. Mmh. C'est une des statues. D'accord. Entrez. Oh ! Une elfe sylvain et un tueur de Grimnir dans un équipage aux elfes. On n'arrête pas le progrès, n'est-ce pas ? Asseyez-vous. Seigneur. Merci. Okay. Tu vois trois chaises devant le bureau. Vous avez essayé ? Mmh. Okay. Altar, asseyez-vous. Bien. Bonjour, Dalcatalogue. Je vous ai convoqué car nous avons reçu votre second, Altar, ainsi qu'un autre elfe, Corillé. Nous les avons bien évidemment soignés et nourris. C'est très aimable à vous. Comme à la convenance des nains. Évidemment. Avec une bonne pièce de viande et de la bière. Altar pourra vous le confirmer. Oui. Altar vous le confirme. Très bien. D'accord. Maintenant que vous êtes rassuré, rentrons dans le vif du sujet. La marchandise. Oui. Nous attendions la marchandise depuis Marienbourg. Effectivement. Altar nous a montré ce bateau, la vague de Lothéan, qui a subi quelques dommages à ce que je vois. Nous attendions une cargaison complète des matériel d'excavation. Nous avons reçu un petit peu moins de la moitié. Auriez-vous des explications et, plus important, me concernant, des solutions à me proposer à cette problématique que vous devez concevoir, n'est-ce pas? Je pense que Altar vous a parlé un petit peu de notre aventure sur le bateau. Il nous a dit qu'il était préférable de
me confier à vous, que nous discutions ensemble. Nous avons été, pour être simple, nous avons été attaqués sur le bateau. C'est ce que j'avais cru comprendre, Nous avons perdu une partie de la cargaison qui... Et une partie de l'équipage. Exactement. Globalement, presque tout l'équipage. Nous sommes les seuls survivants de l'équipage. Et pour votre solution à vous, puisque effectivement, vous, ça ne vous importe très peu ce qui nous est arrivé. Ce qui est important, c'est vos biens et ce qui vous est dû. Vous êtes bien un nain. Effectivement. Savez-vous que les elfes et les nains avons quelques différents. Vous n'êtes pas étranger et non. à cela. D'où mon étonnement de vous voir dans un équipage pareil. Eh bien, on m'a fortement déconseillé de faire appel aux elfes. Qu'ils n'étaient pas de confiance, qu'ils n'étaient pas compétents. Et je me suis battu pour commercer avec. Il se trouve que la perte de ces marchandises pourrait entraîner des incidents fâcheux, pas seulement à mon échelle, mais à échelle un peu plus globale, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que vous n'avez pas très bien compris ce qui s'est passé sur le bateau. Quelqu'un a assassiné les trois quarts de l'équipage pour avant exploser notre bateau. Nous avons essayé de raccommoder notre bateau. Nous avons finalement réussi à ramener et à sauver le peu de choses qu'il restait. Faites appel aux elfes... du clan Eliota. Exactement. Qu'est-ce que vous Nous, on n'a rien à voir avec ça. Eh bien, cela tombe bien. Puisque j'ai un équipage du clan Eliota parmi nous. Nous sommes sur une réservoir de poudre ici. Mm-hmm. Nous ne sommes pas dans le monde des enfants où du caramel coule des fontaines et où des jouets pour enfants se trouvent dans les forêts. La perte d'une cargaison de cette valeur peut entraîner des conséquences fâcheuses pour nous tous. Vous en premier. Pourquoi ? On n'est pas du tout... Vous êtes un membre des premières pages, oui ou non ? Ce que j'aimerais vous dire, c'est que... Nous avons connu un accident fâcheux et qu'il est impossible pour nous de changer ça et de transformer ça. Est-ce que vous avez une solution à nous apporter ? Le moyen le plus clair et le plus rapide est celui qui se fait entre deux clans de commerce. Entre la guilde des minerais, par exemple, et le clan Eliota, c'est de rembourser la marchandise perdue. Ce qui est bien normal. Effectivement, ça paraît logique. Étant donné que la moitié de la marchandise, un peu plus de la moitié de la marchandise a disparu, vous et le clan Eliota que vous représentez étant des membres d'équipage, vous nous devez 1650 pièces d'or. Mais vous pensez que vraiment que que l'équipage va pouvoir être garant d'une somme pareille ? En réalité, maître nain, je m'en fiche. Vous êtes les représentants de votre clan ici. Non. Moi, je suis représentant de rien du tout. Vous faites partie de l'équipage, vous l'avez dit vous-même. Je fais plus partie. Avez-vous menti ? Non. Très bien. Donc, vous devez à la guilde 1654 pièces d'or. D'accord. Pour être précis. On peut vous proposer une autre chose. Mm-hmm. C'est de rembourser cette dette en un service du montant équivalent. Quel genre de service ? Un ingénieur a été... porté disparu en lustré. Jorek Grimm. Il était à Bourville il y a quelques mois. Et il a disparu. Il est indispensable à l'avancée de l'excavation des minéraux dans toute la lustrée. Retrouvez-le. Et vous, votre dette, la dette du clan Eliota et la paix qui règne entre nos deux peuples seront saufs. Vous avez d'autres éléments concernant cette disparition ? Quand est-ce qu'il a été vu la dernière fois ? Quand est-ce qu'il a disparu exactement ? Il y a quelques mois. Quelques mois ? Ouais. Et vous n'avez pas eu de nouvelles en quelques mois ? Malheureusement, nous ne pouvons pas envoyer gens en recherche. Vous avez dit que la dernière fois que vous l'avez vu, c'était ? À Bourville, ici. Partait dans les jungles de Lustrie. Donc, il y a quelques mois, il est rentré dans la jungle de Lustrie et depuis, aucune nouvelle. Exactement. Et il est resté combien de temps à Bourville ? Quelques jours avant de partir. On ne sait pas pourquoi il est parti. Ce n'était pas dans ses... Normalement, non. Dans sa mission. Normalement, non. Et vous savez où est-ce qu'il logeait, à Bourville ?
Non. Aucune idée, aucun indice. Non, il faut se... non. Et il avait des amis ici? Ou des gens qu'on pourrait contacter? Il venait d'arriver. C'est pour ça que nous faisons appel. Vous le connaissiez à peine, en fait. C'était un... Exactement. Nous avons fait appel à un ingénieur, à un prestataire, comme on dit dans le jargon. Il est arrivé, et au moment où devaient commencer les travaux d'excavation, disparu, au bout de quelques jours. Jorek Grimm, vous dites. Jorek Grimm. Remplissez cette mission, et la dette sera complètement effacée. Eh bien, nous essaierons de faire notre maximum pour essayer de retrouver ce Jorek. Évidemment, il existe une troisième alternative. Que vous restiez nos invités jusqu'au paiement complet de la dette du clan Uliota. Bien sûr. Ce qui semble tout à fait logique et normal. Oh, pour Altar, puisque c'est lui, globalement, le capitaine du navire. Effectivement. On a été des passeurs. Effectivement. Je vous prends au mot, maître... Gordrak, marteau de pierre, exactement. Eh bien, nous allons accueillir parmi nous, le temps que vous remplissiez votre mission, Altar et Corillé. Ils seront bien traités, ils ont été bien traités jusqu'à maintenant. Ils jouiront de l'hospitalité des nains jusqu'à votre retour. Bien sûr. On va juste vous demander de nous laisser le temps d'une investigation, de le récupérer. Vous comprenez ? Ça peut prendre un peu de temps. Première mission, mais ça peut prendre un peu de temps. Cela me semble raisonnable. En espérant que la poudrière entre nos deux peuples n'explose pas, n'est-ce pas ? Bien sûr, très beau de vous. Il serait très fâcheux, pour vous comme pour moi, qu'un tel événement se produise. Évidemment, tueur, plus il y a de combats, plus vous êtes content. Il y a des gens qui, au lieu de combattre, favorisent le commerce et les échanges. Mais peut-être que vous ne comprenez pas. Nous sommes d'accord. Très bien. Voulez-vous que Thorvald vous raccompagne? Ou préférez-vous aller à l'auberge de vos propres moyens? Je pense que nous saurons trouver la sortie. Mm-hmm. Oui. Très bien. Merci de votre accueil en tout cas. Merci. Il vous salue assez poliment. Ferme, mais poli. Et vous laisse partir. Thorvald vous raccompagne jusqu'à la sortie. On est dans la merde. On est dans la merde. Donc là, on a une mission de plus. On n'a même pas réalisé notre mission de base. On a 50 autres missions qui sont mises entre temps et on doit et réaliser. Tu sais, combien est-ce que ça représente quand même 1654 pièces d'or. C'est quoi, c'est le triple de ce qu'on a? Non, mais c'est plus que ça. Nous, on en a 120. C'est 10 fois ce qu'on a. C'est impossible à rembourser. Donc on est vraiment obligé de récupérer cette mission. Ou alors. Ou alors, on laisse Altar mourir, quoi. On laisse Altar mourir. Ah, c'est ça la condition. Bah oui. Mais non, c'est nous, on est dans la merde aussi. Non, mais pour l'instant, c'est juste vous l'avez laissé en otage ou en invité. Vous arrivez à l'auberge et donc c'est le matin et vous tombez sur. Borok et Chae qui se reposent en vous attendant du coup. Bien bonjour. Ça va ? Alors vous étiez où passé ? Oui. On savait pas où vous étiez donc vous étiez où d'ailleurs ? On a fait un petit tour. Bah vous vous souvenez du chat ? Oui. Qu'on a vu sur la place. Mm-hmm. Il est venu me rendre une petite visite cette nuit. D'accord. Voilà et il se trouve que c'était des Et je vais... Qu'est-ce que je leur dis ? Bah après, tu peux dire, enfin, techniquement, tu peux leur dire ce que tu veux. Alors voilà, il faut que je vous confie quelque chose que vous ne savez pas, je vais vous le dire. Vous risquez d'être un petit peu surpris, mais je pense que je peux vous faire suffisamment confiance pour vous en parler. Je suis une Amazone. D'accord. Alors oui, alors juste HRP. Normalement, dans le monde de Warhammer, les Amazones, c'est un truc légendaire, genre c'est une licorne, quoi. Tu es une Amazone. Je suis une Amazone. C'est vrai ? Je ne savais pas que les Amazones existaient vraiment. Non mais en vrai... effectivement, oui, c'est un peu plus légendaire. Je suis une Amazone. Alors quoi ? Je vais vous compter. Bah toi, tu les as vus d'un peu plus près. Donc ouais, toi, tu y crois un peu plus déjà. Je suis une Amazone et nous sommes souvent en conflit avec un village de Nordiques. Ah non, pas moi. Non. Les Skegi, c'est des Nordiques qui sont très pas du tout comme lui parce qu'ils sont très en lien avec le chaos. Voilà, et une fois. Moi, très éloigné de toi. Rien à voir. Mais c'est quelqu'un de tout à fait fiable et tout à fait stable. Ils nous ont attaqués quand j'étais enfant avec des hommes bêtes. Hein, dont un homme bête spécifique qui a tué les membres de ma famille. Un homme bête, c'est un homme qui n'est pas très intelligent. Un homme avec une tête de cerf. Non, oui, c'est des hommes mutants avec des têtes de cerf, de bouc, des tentacules, satyres, quoi, des satyres. Voilà, là, il y a un minotaure notamment. Tu vois. Pas juste des cons.
Donc tu pensais que tous ces hommes bêtes avaient tué ta famille, mais ils savaient. Alors, ils ont tué quand même toute ma famille, enfin mes sœurs, ma mère, enfin voilà, les gens proches. Mais je pensais qu'effectivement tout le village avait été tué, mais en fait non, il y avait des survivantes. Bien. Donc j'ai pu revoir les survivantes. À travers le chat. C'était une personne en fait qui se transforme en chat. C'est la chef de ma tribu, de là où je viens. Dans plusieurs années, ah, c'est le chat. Ils feront ça dans un film. Ça s'appelle Harry Potter. J'étais au courant. Voilà. Et on s'est fait, en plus de ça, voilà, il y a un petit quiproquo avec Borok qui m'a suivi. Petit. Bonne idée de me suivre et qui s'est fait capturer, se faisant prendre pour un skeggy par mes sœurs. D'accord. Là, donc, a un petit peu... elle a suivi un chat qui n'était pas un chat. J'ai suivi Chae qui est une Amazone. Et je me suis fait encapuchonner encore une fois. C'est vrai que depuis Marineford, c'est un spécialiste. Voilà. À chaque fois. Il ne faut plus sortir. T'as pas vu de nain là-bas? De nains ? Non. Oui. Non, je crois qu'on était déjà pas mal. C'est pas la cour des miracles non plus. Non, parce qu'après on discutera. Non, parce qu'après il y a eux. Il y avait pas de nains. Ah oui. Non, voilà. Et c'était loin la jungle ou pas ? C'est non, on était en lisière. On s'est retrouvés à la lisière. On n'est pas allé, on s'est pas enfoncé. Bah, bon, tout ça pour dire qu'on s'est fait attaquer par les vrais nordiques de Skeggy, hein, pour le coup. D'accord. Que moi j'ai passé un petit rite de passage pour sauver la peau de monsieur. Que je suis devenu un mage de la bête. D'accord. Voilà. Donc je vais avoir besoin de toi, Rina, pour m'aider à m'entraîner, parce que je peux faire un sort, mais il faut que je bois une décoction spécifique pour pouvoir me mettre en état. Est-ce que je peux dire un truc? Vous êtes globalement en train de level up de ouf. Et vous restez nous, on est là toujours avec nos petites haches. Et... bah après, là, la formation qu'elle doit avoir, à mon avis, ça va prendre longtemps. Tu vois. Je ne sais pas, on va voir, on va pouvoir tester. Je suis encore sous l'effet de la décoction. Nous, c'est quand même plus simple. Déjà, la potion, elle est balèze. Voilà. Hein, c'est pas genre, elle devient une mage, genre, c'est bon comme ça. Ça prendrait, mais... On va voir, on en reparlera, du coup. D'accord. Et du coup, voilà ce qui se passe. Il y a une expédition de ces fameux Skeggy que je dois retrouver pour aider mon peuple, qui va justement à Port-Pillard. D'accord. Ça tombe très bien parce que c'est notre destination pour retrouver notre ami. Par où ? Par où ? Ils vont à Port-Pillard ? Alors, ils ne savent pas trop, hein, parce qu'ils n'ont pas trop d'informations précises sur leur itinéraire, mais on sait que cette expédition va y être et qu'il faudra faire notre possible pour les éliminer. D'accord. De toute façon, si on les croise et qu'on ne les élimine pas, on est un peu dans la merde parce que c'est parce pas que nous... ton histoire est terminée ou pas ? Oui, vas-y, enchaîne. Okay. Il nous arrivait quelques broutilles également. Très bien, oui. Ce matin, en tant qu'un autre porte, il y a le... Altar, là. Non. Si, il y a Altar qui a débarqué. Taramir qui est venu... Enfin, les hommes de Taramir sont venus nous... Taramir. Oui, le nain qui... Original. Le nain, ton pote, là. Ouais, en gros, c'est un grand nain du commerce, etc. Ah, c'est un nain, ah oui. Et c'est celui qui récupérait récupérer nos provisions. Exactement, qui devait récupérer tout ce qu'il y avait comme cargaison sur le bateau. Et donc, du coup, il me reste plus qu'un tiers de ce que vous m'avez donné, ce que j'avais prévu. Donc, très en colère. Et donc il nous demande 2154 pièces d'or. Donc, oui, bien sûr, Tu les as pas, toi? Non. Soit on l'aide dans une quête qui nous a demandé, c'est qu'il y a un de ces ingénieurs qui a disparu il y a quelques mois, qui s'appelle... Il nous a pas donné... Si, Jorek Grimm. Jorek Grimm, c'est ça, il a disparu il y a quelques mois. Il venait du Vieux Monde et il est venu à Bourville pour travailler pour quelques jours. Et en gros, il s'est englouti dans la jungle et depuis, pas de news. Et surtout qu'il était pas censé être dans la jungle. Il a couru après un chat, lui aussi. Ah là, t'écoutes pas, il a disparu dans la jungle. Il a disparu dans la jungle. Donc, c'est-à-dire que si ça se trouve, lui aussi, il a suivi un chat parce que le chat, je sais pas, il viole. Donc, nous avons cette nouvelle mission. Donc, il va falloir qu'on... Ou alors, c'est un autre truc, on laisse crever Altar. Peut-être que les nains vont nous courir après. Qu'est-ce que Altar a à voir là-dedans? En gros, Altar. Ils ont gardé un peu Altar en otage. Chef du bateau, etc. En invité. Oui, d'accord. Donc en gros, c'est genre, je le garde jusqu'à ce que vous me ramenez mon nain. Mais il est très bien traité, en tout cas. Il est très bien traité jusqu'au jour où, 6 ans plus tard, ils vont se rendre compte qu'ils sont où. Si vous voulez nous récupérer. Altar et Corillé, le gamin à moitié crevé là que vous avez sauvé. Mais du coup, le seul truc, c'est que, il y a un truc, c'est que, soit on prend le risque, on va chercher son Jorek, soit on les laisse mourir, mais peut-être qu'après ils vont nous courir après. Alors, moi, je vous avoue que je vous ai pas tout dit non plus. Hein, non, mais j'ai d'autres alliés dans la jungle. Très bien. J'aurais bien voulu revoir pour débarrer. Voilà. Et voilà, je me suis dit une pierre de coup. Voilà. Parce qu'il faut savoir que du coup, enfant, je me suis retrouvée toute seule avec tout le monde mort autour de moi. Ils avaient quel âge quand t'es... Ça marche comment les Amazones HRP en termes de durée de vie?
T'as genre 200 humains. Alors, ouais, non. Alors le truc, c'est que c'est un peuple un peu légendaire, c'est d'accord. un peu nébuleux. Okay. Donc, on n'a pas trop d'infos dessus. Donc, et puis toi, t'étais jeune. Donc, je devais avoir 9-10 ans, tu vois. Ouais, elle était. Mais. Voilà, vous savez pas trop. Ça se trouve, elle a 4 ans de vie. Par exemple, vous savez même pas comment vous savez même pas comment ils se reproduisent, est-ce que c'est magique, est-ce que ça, tout ça vous savez pas en fait. Mais même toi alors tu sais pas comment tu Bah, j'avais 9 ans donc fais un test. Essayez de voir. Mais déjà je suis devenue une déesse de la jungle. Enfin, je suis bénie par la déesse de la jungle. Oh, joli. Voilà. Elle te donne une bague. Non, elle m'a donné des yeux de lézard. Voilà. Du coup, comme ça. Non, non, bah, quand je deviens mage de la bec, je peux avoir une vision thermique. Et du coup, pour ça, il faut que tu maîtrises la magie. C'est ça, et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'entraîne. Mais il se trouve que moi, de base, j'ai été, vous voyez mon petit lézard, hein, j'ai été recueillie par des hommes lézards, qui sont aussi un autre peuple légendaire. D'accord. Voilà, qui m'ont élevée, qui m'ont recueillie, et qui m'ont confié une mission que je dois effectuer pour eux, qui est en lien avec les tablettes d'or sur lesquelles j'ai enquêté pendant notre voyage, que je dois retrouver. Et ils pensent que je suis en lien avec une de leurs légendes. Putain, j'aurais dû demander une armure. Étant donné que je viens d'être bénie par la déesse de la jungle, étant donné que je dois trouver une plante très rare, et étant donné qu'on a perdu quelqu'un dans la jungle, je me dis que c'est l'occasion d'aller faire un petit débrief avec eux. Nous allons aller faire un petit tour dans la jungle. Voilà, pour voir s'ils ont peut-être des informations à nous donner, moi-même pour ma quête personnelle, autant que pour cette quête-là. Ok. Voilà. Et ben en route. Peut-être qu'ils savent où trouver des fleurs de phalanx. Question, l'ingénieur, c'est un ingénieur en quoi? Un ingénieur qui devait travailler dans la mine, etc. Ouais, ah oui. C'est pour récupérer. Pas quelqu'un qui peut nous concevoir des choses incroyables. Ouais, des arbalètes, des petits bouts de bois pour tirer des pierres. Je sais pas. Mais on a vraiment aucune info sur lui à part. Ouais, ils ont pas d'infos sur lui. En gros, c'est juste un mec qu'ils ont engagé. Il a passé 2 jours ici en Lustrie, à Bourville, ouais. Et ensuite, il a disparu dans la forêt, quoi. Dans la jungle. Moi, je voudrais faire un petit truc, si vous me permettez. J'étais un peu con, les nains, s'ils ont la tête ailleurs. Je voudrais retourner à un truc, demander si je peux pas récupérer. Il peut pas me donner une petite armure, quand même, pour aller récupérer. Tu veux aller retourner à la mine, là. Alors, on lui doit 2000 boules. Et tu alors, non, mais lui dire blague à part, je pense qu'on va dans la jungle, okay. On risque des trucs. Okay, si t'as une petite armure en rab, okay. Pour un nain, ça vaut le coup. Alors, je te le dis, parce que, bon, Grimnir t'a déjà interpellé un petit peu. Porter une armure en tant que tueur, c'est un grand déshonneur. Tu peux porter. Fais ce que tu veux, hein. Mais non, bon. Mais demande une arme à la limite. Demande une arme, pas une armure, quelque chose. Après, tu leur dois. Après, c'est vrai que revenir alors que tu leur dois 2000 boules, c'est tellement. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on parte tout de suite parce que. D'accord. Je vous rejoins. Oh. Est-ce qu'on peut s'entraîner à la magie en attendant qu'il fasse son truc, lui? Ok. Okay. Pour une heure. Ah oui, t'es toujours sous l'influence. J'ai 24 heures, on est d'accord. Hein. Oui, moi, je vais les compter mes heures. Hein. Ouais. La potion, c'est la journée. Ça dure la journée du truc. Je mets une heure, je vais faire l'aller-retour, ils vont me dire vite si c'est oui ou c'est non, quoi. Ok, c'est non. Et Non. Attends, je vais négocier, tu vois, je vais négocier. C'est vraiment une heure, l'aller-retour, le temps qu'il fasse tous ces trucs, ou c'est une demi-journée? Parce que j'ai une demi-journée à tuer ou pas? J'ai envie de faire des trucs de magie aussi. Bon, comme vous. Bah, après, il peut faire une heure et vous avez une demi-journée. Juste un petit truc, est-ce que tu peux me filer un peu de fric? Qu'est-ce que tu peux faire avec ces frics? Bah, parce que vous allez tous faire vos trucs, moi je vais me balader à Bourville, je vais faire des trucs. C'est moi qui ai deux fric. N'importe quoi. Voilà, sur le retour, on ira. Ah ouais, très bien. Et on n'est pas obligé de se séparer. On peut faire ça un peu peut-être plus bref que quand on fait nos interludes. Ouais, parce que là, ça veut vraiment être. On les laisse ensemble, ils font leur machin, on fait notre machin, il n'y a pas de secret. Vous allez voir le nain à l'entrepôt, c'est ça? Voilà. Ouais. Mon bon ami, vous devez savoir que on nous a déjà je me présente. Non, c'est pas la peine. On va aller vite. Un ami, c'est pas grave. donc il y a pas longtemps, on est venu et on nous a donné une mission de récupérer votre copain. Là, j'aurais Grim pour en retour de la cargaison qui a été perdue. En tant que nain tueur. Et en tant que garant de cette mission, je dois être bien équipé, vous comprenez. Et sur le bateau, etc., il y a un peu de matériel qui est parti, etc. Vous auriez pas, en gage de bonne foi, une petite tâche, un petit truc un peu, une arme un peu solide pour me permettre d'assurer ma mission? C'est Thorvald qui te répond. Il est à côté. Thorvald, c'est le chef des gardes qui t'a amené. S'approche et il montre sa hache. Une hache runique. D'accord. Tu vois ça, mon ami? C'est Aramir qui me l'a donné.
une LH runique qui vient des plus hautes forges de Karakazul. J'en demande pas tant, mais... Sais-tu pourquoi il me l'a donné? Je n'ai pas envie de deviner, alors je vais vous laisser raconter. J'ai protégé sa cargaison contre un troll, seul. En récompense, il m'a donné cette hache. J'étais avec vous quand il vous a proposé la mission. Il hésitait à le proposer à moi et vous l'a proposé. Remplissez cette mission et vous aurez une grande récompense, tueur. Si ce n'est la mort au combat que vous convoitez tant. C'est juste pour m'assurer une bonne mission et pour, au-delà de mes valeurs et de ce que moi je veux, d'assurer ce que lui veut, c'est-à-dire récupérer son ingénieur. Mais vous inquiétez pas, Taramir pense avant tout aux gens qu'ils emploient. Vous, soit vous récupérez la cargaison et vous serez récompensé, soit vous mourrez au combat et vous serez récompensé au banquet de Grimnir. Vous êtes gagnant. Bon, on y va. Ça a pas l'air de marcher. Bonne soirée. Eh bien... Bonne soirée, non. Bonne soirée. Tueur de Grimnir. Tu veux faire un truc rapidement, toi? Bon, on va aller chercher nos... Je vais lui faire les poches déjà, je vais me faire. Non, mais sur la route, il se passe rien. Non. Bah, juste regarder un endroit où je pourrais peut-être prendre un truc en cuir, pas une armure, mais juste quelque chose d'un peu plus léger, parce que là, je suis quand même un peu. Tu peux acheter. C'est pour ça que je repère s'il n'y a pas un endroit où justement je pourrais pas me faire une armure de cuir, quelque chose de. Alors, effectivement, au moment. Alors, vous passez devant les échoppes qui sont maintenant ouverts, et vous vous rendez compte que. Tous les marchands d'armes, d'armures, etc. ont été dévalisés parce qu'il y a eu des expéditions qui sont parties dans les jungles de Lustrie. Vous ne savez pas quoi comme expédition, mais il y a une expédition impériale qui est arrivée. Ils ont tout dévalisé en termes d'armes, d'équipements, etc. Ils sont partis. Et il y a une autre expédition qui a allé en Arabia. Apparemment, il y a une guerre contre le calife d'Arabia. Il y a une guerre entre les impériaux et les Arabiens. Donc, Il n'y a plus d'armes, il n'y a plus d'armure, il n'y a plus d'équipement dans cette ville, qui est déjà une ville pauvre. D'accord. Parce que je vous rappelle, c'est des bidonvilles, des taudis, ça pue la mort, etc. Donc malheureusement, non, il n'y a pas... Okay. Bah, je voudrais repérer, comme j'avais fait en arrivant, là du coup, quand on a un peu plus le temps, voir s'il n'y a pas des égouts, des passages, un endroit... Alors, il faut que tu me dises un endroit précis dans la ville... Tu peux pas regarder dans toute la ville. C'est quand non, même... non, pas dans toute la ville, mais genre par exemple, tu sais, on se balade dans une rue. Est-ce que par exemple, il y aurait pas un espèce de petit sentier bizarre qui s'enfonce? À part si tu me dis part. Un endroit particulier dans la ville, mais tu ne la connais pas pour l'instant. Ouais. À part si tu me dis un endroit particulier, je ne pourrais pas te répondre. Ouais, non. Okay. Vous rentrez? On rentre. Ok, ça prend un peu de temps, le temps que. Oh, mais il y a pas d'épée. Non, mais il y a pas de hache. Non, mais il y a rien dans cette ville de merde là. Ok. Vous, pendant ce temps, vous êtes tranquillement à l'auberge avec ton lézard qui dort à côté. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je lui explique un petit peu comment fonctionne. Quels sont mes pouvoirs, quelles compétences j'ai pu avoir. Expliquez-vous entre vous ce qu'il faut. Donc j'ai une potion spécifique. Essayez de ne pas vous tromper. Qui est fait avec de la fleur de phalanx. D'accord. Et quand je bois cette potion, pendant une journée, je peux être dans un état... Je peux déclencher mon sort. D'accord. Voilà. Sauf que là, je ne le maîtrise pas du tout, encore ce sort, donc je dois apprendre à... Et là, tu es déjà sous l'emprise de cette potion. Oui, là, je suis sous l'emprise de cette potion jusqu'à cette nuit. D'accord. J'ai 24 heures. Par contre, je peux à chaque fois utiliser ce sort qu'une seule fois. Eh bien, on va essayer. C'est quoi le sortilège? Le sortilège, c'est du coup la maîtrise de la bête... Ouais, mage de niveau 1, bête intérieure. C'est la bête intérieure et donc c'est ce sort qui me permet du coup d'avoir une vision thermique. Ok, et c'est pendant combien de temps? Une heure. Pendant une heure? Peut-être que s'il marche, vaut mieux l'utiliser. Bah après là, qu'est-ce je sais. Qu'est-ce que t'en penses? Là, le truc c'est tu veux que t'entraîner? Je... Ouais, c'est ça, il faut que je m'entraîne apparemment parce que là je sais même pas comment le faire. Et ben on va s'entraîner alors. Voilà. J'ai une autre potion pour me remettre dans cet état-là plus tard, fois. Mais une seule. Une seule, voilà, et après je sais qu'il faut que je trouve la fleur de phalanx. C'est une fleur apparemment très rare, mais c'est pour ça que je pense que mes amis hommes lézards peuvent peut-être m'aider quand on ira dans la jungle, pour en trouver d'autres. J'arrive bien à maîtriser un petit peu les plantes, etc. Donc peut-être que je peux essayer de t'aider à en trouver. D'accord. D'accord, et ben on va essayer de faire... Mais de toute façon, je me dis, tant que je sais pas lancer le sort, de toute façon, il faut que je m'entraîne, parce que même si j'ai la potion, de toute façon, je sais pas le faire. Donc, Ok, très bien. Donc vous pouvez vous entraîner. Alors je te laisse expliquer peut-être comment s'entraîner, parce que je lui ai pas dit comment s'entraîner.
Ok, d'accord. Comment je m'entraîne? Apparemment, il m'a dit que fallait que je m'adresse à toi. Ok, juste HRP, t'as le droit de l'utiliser qu'une seule fois. Bah ouais. C'est un mage de niveau 1. Donc tu peux l'essayer qu'une seule fois là. Et oui, et c'est un D10 et je dois faire 10 pour que ça fonctionne. T'as un seul D10? Un seul D10 et je dois faire 10. C'est un niveau 1. Toi, t'es niveau 2. Ah t'as ouais. 2D. Okay. Alors en fait, ce qu'il m'a dit, au niveau vraiment, juste en termes de mécanique, normalement, il faut que je fasse 5 plus pour que ça marche. Ouais. Donc normalement, j'ai une chance sur 2, donc voilà. Sauf que là, comme je sais pas maîtriser le sort, c'est 10. C'est 10 ou rien. Ah putain. Donc et je sais pas quoi faire pour. Ouais, j'ai une chance sur 10. Moi, j'ai absolument rien. Attends. Même mon truc de clairvoyance, il peut pas m'aider à. J'ai absolument aucun sortilège qui peut me. Est-ce que je peux essayer de contracter. Enfin, d'essayer. Contracter mes abdos aussi. Je peux pas essayer. Non, mais genre que si on le fait ensemble, est-ce qu'elle aura plus de chances de. Est-ce qu'elle peut me transmettre un D10? Alors, le truc, c'est que toi, ça serait un domaine de magie que tu maîtrises. Pourquoi pas? Là, c'est un domaine de magie de la bête que tu maîtrises pas du tout. C'est quoi comme couleur? C'est ambre. D'accord, je connais pas. C'est un prénom. Ouais. Mais c'est vraiment un domaine que tu ne connais pas et que pas tu n'as pour l'instant jamais vu. Évidemment, tu en as entendu parler dans les livres qu'on t'a enseigné par ton maître, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est la première fois que tu vas voir quelqu'un essayer de maîtriser la magie de la bête, d'où ça provient, d'accord, etc. D'accord, très bien. Et ok, donc il n'y a vraiment rien que je peux faire pour améliorer le rendement de ce pouvoir. Vous savez quoi? Je vais vous autoriser parce que je suis un MJ gentil, ça faut le savoir. Tu vas me faire un test de force mentale pour l'aider à canaliser les vents de magie. Alors, c'est un peu au hasard vu que tu connais pas ces vents de magie. Donc, je vais te faire un test de force mentale moins 10 pour qu'elle te donne un petit bonus. Non, pas du tout. Ok. Donc, tu n'as pas de bonus. Mais elle te. Donc, tu vois qu'elle t'explique comment essayer de te concentrer, de voir. Les vents magiques et effectivement ce que tu vois par contre autant elle peut pas t'aider vraiment, autant tu commences à voir une espèce d'aura qui palpite autour de ton lézard, voilà. Et maintenant que tu t'es concentré et je demande à mon lézard de se rapprocher et j'ai ses pattes, je tiens ses deux pattes, ouais. mais effectivement non, tu vois l'aura ambrée qui se dégage de ton lézard, qui commence à s'enrouler autour de toi. Et toi, effectivement, maintenant qu'elle s'est approchée et qu'elle tient, pourquoi elle fait ça? Et effectivement, tu vois maintenant une espèce de vent magique, d'énergie magique, qui se dégage du lézard, comme toi, quand tu vois d'habitude la magie de la lumière était diffusée dans tout l'air, et que la magie de la pluie descendait du ciel dans une espèce de pluie de jade. Apparemment, la magie de l'ambre se dégage du lézard de Chahé. D'accord. Donc la source de ton pouvoir vient de ton lézard. Écoute. Tu vas me lancer un. Vraiment que j'aille voir les hommes reptiles, je pense qu'ils vont beaucoup m'aider. Mais du coup, tu apprends un peu plus sur la magie de la bête. Et donc, je vais t'autoriser à toi aussi jeter un dé. Du coup, toi, tu as le droit à 2 dés. Ouais. D'accord. Pour lancer le même sort, vous communiquez entre vous les différentes sensations que vous avez. Et toi, Chahé, comme tu touches ton lézard, tu as découvert l'ingrédient de ton bonus de lancement de sort qui est de plus 1. Et moi, je lance un dé 10. Toi, tu lances un dé. Dans la main. Et toi, tu lances 2 dés. On peut filmer, nous, pendant ce temps-là. Donc, les deux doivent faire 10 plus. Oh, j'ai fait 9. Super. Ah bah c'est bon. Ah bah c'est bon. Ah ouais, non mais je croyais que du coup... C'est bon. Alors, toi tu apprends un sort bête intérieure, du coup. Elle m'a piqué mon sort. Vous vous êtes formés mutuellement. D'accord. Mais elle du coup, elle va avoir peut-être une autre bête, du coup. On a peut-être et pas la même bête. Effectivement, tu te concentres et tu vois une grande plaine devant toi, avec des forêts. Tu reconnais cet endroit, c'est l'endroit où t'as passé ton enfance. Tu cours, et à un moment, il y a une falaise qui est au bout de la montagne. Tu cours, tu vois un oiseau qui vole autour de toi, tu entends les vagues au loin, et au moment où tu te rapproches de la falaise, tu te sens élevé. Et tu as l'accès donc à un nouveau sort, donc qui est bête intérieure. Tu es un oiseau. D'accord. Alors, ce n'est pas exactement le même sort, c'est un sort à 7+. C'est un sort à 7+, et tu peux te transformer en aigle. Oh, elle carrément, elle fait du morphing et tout.
Elle peut. D'accord, hashtag elle peut, très bien. Ouais. Merci. Et il n'y en a pas d'ingrédients et tout, elle peut faire ça. L'ingrédient, c'est une plume d'oiseau. Je crois que j'ai. Ingrédient plus 1. Là, c'est juste. Là, je peux le faire direct. Parce que c'est pas ma magie à moi. C'est. Bah, tu as appris ce sort, Enfin, tu maîtrises pas le domaine de la bête, mais ici, c'est un sort à toi. Donc, je peux le faire. J'ai pas besoin de faire 14 plus. Si, toujours. Non, mais, oui, on est d'accord. Quand même, non, mais il faut quand même que tu maîtrises ton. D'ailleurs, faudra peut-être l'expliquer comment elle peut ne plus faire 10 plus à chaque fois. Par exemple, là, t'as fait 9. Donc tu n'auras pas à faire 10 plus à vie. Juste qu'on soit bien clair, ça c'est la magie blanche, ça c'est la magie de l'ambre. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et donc là, je suis en vision thermique, moi. Là, t'es en vision thermique. Tu vois effectivement Chae et ton lézard dégager de la chaleur. Et là, il me voit avec des gros yeux de lézard. Et dans la rue, tu vois de la chaleur qui se dégage de la rue, effectivement. Et tu regardes tes mains et tu vois une nuance de chaleur. Nous, on arrive, on rentre dans la maison. on a l'autre qui... Il y a un piaf et une meuf avec des yeux serpents et un lézard qui dort. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah là, tout de suite, là, t'as lancé le sort et en aigle. Tu peux l'arrêter quand tu veux. Wow. J'avoue, moi je la regarde en mode ultra jalouse. Ouais. Ça dure une heure. D'accord. Okay. Tu peux l'arrêter quand tu veux. Est-ce que je peux faire un bail? Genre, je peux pas arracher 2-3 plumes, les faire tomber sur le sol? Remarque, non, avec ton bec. Si, avec ton bec. Si, je peux faire avec mon bec, mais je peux le faire en soi. Allez, tu peux Toto enlever des plumes. Allez, je m'en enlève 3. Allez. 3 plumes. Ça a blessé, non, de toute façon? Non, ça c'est des petites plumes, j'en ai plein. Ah, okay. Non, ça va, elle a pris 3 plumes. Ok, très bien. Elle cool. En aurait pris plus. Je peux genre un peu sortir par la fenêtre pour un peu voler, tranquille. Bah, la fenêtre est fermée. Je peux pas l'ouvrir parce que j'ai pas de main. Ouais, et tu peux pas parler. Bon, bah, on va rester voler à l'intérieur de la pièce. Ou alors, pour faire comprendre, elle tape le bec ou la vis. Bien. Est-ce que tu te détransformes pour expliquer 2-3 trucs à Chae ou. Ouais, je suis sympa, je vais lui apprendre 2-3 trucs. Ok. Je me déaigle. Et tu vois tes vêtements par terre. Non, pas du tout. Tu as toujours tes vêtements. Non, je déconne. Tu as toujours tes vêtements. Ils arrivent. Je ramasse les 3 plumes qui étaient sur le sol. Ok. En gros, à chaque fois que tu vas essayer de faire ton sort, ouais. Là, t'as un point de magie, c'est ça? Ouais. Donc, dès que tu vas réussir à faire ton sort, pour faire le sort la fois d'après, tu auras un de moins à faire, etc., etc., etc. Donc voilà, il faut juste que tu t'entraînes et au fur et à mesure, dès que tu arriveras à 5, tu pourras le maîtriser. Il y a une deuxième technique. Et tu n'auras plus besoin de ton ingrédient du coup. Cependant. Tu t'entraînes pendant une demi-journée sur le sort, c'est comme s'il était acquis du coup. Alors tu gagnes le montant de ton point de magie. Ouais, donc bah toi, tu as 1 point de magie, donc tu baisses de 1. Donc deux techniques. Soit tu lances ton sort normal, d'accord, et tu gagnes la différence si tu l'as réussi. Si tu l'as raté, tu l'as raté, d'accord. Soit tu te concentres une demi-journée. Et c'est comme si t'avais médité sur ton sort et tu baisses automatiquement ton sort de ton montant de magie, c'est-à-dire 1. Bah, je pense que je vais faire ça. On va aller dans la jungle chercher votre gars. Moi, je vais aller chez les hommes lézards et je vais m'entraîner. Et voilà. Vous, votre quête. Moi, je vais m'entraîner dans une dernière question. Ça va pas tout de suite. Ouais. L'aigle, ça me permet d'avoir une vision aigle, etc. Ou c'est juste je me transforme en aigle et je peux voler? Non, tu peux voler et bah éventuellement tu peux t'infiltrer. T'es plus petite. Oui, d'accord. Okay. C'est une taille d'aigle. J'ai pas un truc. Okay. Est-ce qu'on peut parler avec les autres aigles? Ah. Et faire une armée d'aigles. The eagles are coming. Bon, globalement, je n'ai rien récupéré, d'accord. On est rentré brodouille. Exactement. Plutôt brocouille, hein, comme on dit dans le bouchon noir. Donc, je vous propose qu'on aille dans la jungle. C'est parti. Est-ce qu'on est full là, niveau PV, niveau tout? Vous êtes full tout. On est full tout. Ah, c'est bon, moi plus je suis malus, full. On a de la bouffe. On a redormi, donc plus de malus par rapport au fait que je me suis ouais, fait vous la êtes gueule. Full tout. Je suis généreux, c'est des relances. Bon, qu'est-ce que vous faites? Bah, on va dans la jungle. Ouais, là, ça suffit. Mais attends, mais l'objectif là, c'est quoi exactement? Alors, moi je dis que il faut aller chercher monsieur Jorek Grimm. Ouais. Moi, comme on doit fouiller, de toute façon, on doit fouiller dans la jungle. On ne sait pas trop où. Moi, je connais des gens dans la jungle. Je vais aller vers chez eux. Mais est-ce qu'il y a d'autres villes dans la jungle? Oui, tu as Skegi. Ah oui, mais non, mais pas là-bas. Ah non. Tu as Skegi. Ouais. Tu as Port-Pillard. Ah oui, Port-Pillard. Ouais. C'est là, voilà. Tu as Bourgville. Notre destination finale, Port-Pillard. Ça, c'est les villes. Ah, c'est la destination finale, Port-Pillard. Port-Pillard, oui, c'est là où on doit retrouver Marcus. Hein. Mais Skegi, c'est affilié au Chaos un peu, non? Quoi?
Skegi, la ville Skegi, de Skegi, c'est les Nordiques. C'est les Nordiques, apparemment, qui sont en on guerre contre machin. En tout cas, c'est. Faudrait ça, plutôt ça, les éviter. Ça, ça affilie au chaos. Pour l'instant, tu ne l'as pas vu de tes propres yeux. Ce que tu as vu, c'est des guerrières qui se fritaient contre Skegi et qui sont alliées à des hommes bêtes. Moi, normalement, on m'a dit que je dois récupérer une hache avec des, non, mais toi, des runes, ah oui, etc. Du coup, lui. De toute façon, moi, ma quête, c'est le Red Grim. D'accord, voilà. Moi, je suis chaud, voilà. Parce que moi aussi, j'ai envie d'avoir un peu d'équipement. Et peut-être que mes hommes lézards, ils peuvent nous aider. Hein. Ils peuvent peut-être nous aider à le retrouver. S'il est dans la jungle, on peut peut-être... Vous allez... Vous allez la magie et tout, on va dans la jungle. Vous sortez de l'auberge, déjà. On va dans la jungle. Alors... Vous circulez dans les rues. Là, il y a quand même beaucoup de monde. La matinée est bien avancée. Donc là, on est à Bourville. Là, vous êtes à Bourville. Est-ce que ça sent toujours la bouse? Ah oui, bah c'est des bidonvilles. D'accord. Alors, des bidonvilles... Donc, il y a beaucoup de monde, mais c'est des bidonvilles. Ouais. C'est vraiment une accumulation de bidonvilles, de tôles, de carcasses, de bateaux à semi-sciller qu'ils en ont servi comme maison. C'est qui déjà qui vit ici? Des population, pauvres, la population, non mais genre leur race. C'est des humains. C'est un peu de tout. T'as beaucoup d'humains quand même. Beaucoup d'humains et un peu de nains aussi du coup. Ouais, il y a un peu de nains mais ils sont plus vers l'anthropo. Okay. Y a pas d'elfes. D'accord. D'ailleurs, en passant. Normal, c'est on est les riches quoi. Non mais peut-être que vous passez juste par bateau et vous taillez, tu vois. Okay. Ou bien vous planquez. Peut-être faut découvrir la ville. Alors on vous tue. Mais en tout cas, t'en vois pas là. Ok, très bien. D'accord. Donc vous traversez la ville et vous arrivez. Sur une grande place où il y a beaucoup de monde et vous voyez que il y a un attroupement autour de quelque chose et tu vois quelqu'un qui passe de personne en personne. Venez participer au grand tournoi de Bourville. Il reste encore une place pour prouver votre combativité. Toi? Non, pas toi, toi. Il va voir plusieurs personnes et là il te voit. Oh, un nain tueur de Grimnir. Voilà quelqu'un qui peut participer au grand tournoi de Bourville. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? C'est tout ce qui m'intéresse. Montrez-moi la récompense. Ok. Du coup, tu le suis, ce qui t'amène vers... Okay. Tu arrives devant... donc vous le suivez? Oui. D'accord. Ouais. Vous arrivez devant un bâtiment, rien de plus par rapport aux autres. Et là, il tire un drap. Regarde ta récompense, une de mes plus belles pièces acquis au fur de nombre d'années d'efforts. Et tu vois une ceinture posée sur un coussin rouge. Tu vois une ceinture avec une rune naine dessus. Et tu la reconnais directement. Et tu vois sur la ceinture gravée une rune, tu vois cette rune-là. Un tournoi, un combat. Alors veux-tu participer au grand tournoi? Tu ne vas pas... refuser un combat, tueur. Oui, tu ne vas